est désormais officiel, Jalil Esper et Laetitia Hallyday filent le parfait amour. Tandis qu'ils se sont rencontrés l'été dernier, tandis que le réalisateur souhaitait évoquer avec la veuve de Johnny Hallyday un biopic sur le chanteur, le charme a tout de suite opéré entre eux au point que rapidement, les choses sont devenues sérieuses. Séparé de Pascal Balland, comme vous le révélait Closer, si est donc dans les bras de Jalil Esper que la maman de Jade et Joy a retrouvé le bonheur. Et désormais, cela ne fait plus de doute. Discrets sans toutefois garder leur amour secret, Laetitia Hallyday et son compagnon ne dévoilaient que peu d'indices sur leur relation. Ce qui est désormais révolu, puisqu'ils ont dévoilé leur premier cliché de couple. Si est-il lors de leur escapade à Saint-Barthélemy où ils ont célébré les 3 ans de la mort de Johnny Hallyday qu'ils se sont fait photographier en pleine mer, enlacés et heureux. Amour, a simplement écrit Jalil Esper en légende de cette photo, prenant soin de taguer sa belle, plus radieuse que jamais. Jalil Esper à Saint-Barth pour rendre hommage à Johnny. Il faut dire que si cette photo est très symbolique, les actes du couple depuis ces derniers mois en disaient déjà long sur leur relation. En effet, après un voyage en Italie, Jalil Esper et Laetitia Hallyday avaient décidé de se confiner ensemble en France. Mais plus fort encore, si est-il discrètement, mais visiblement à l'aise que le réalisateur a rendu hommage à Johnny Hallyday pour les 3 ans de sa disparition à l'occasion de la traditionnelle veillée nocturne organisée par sa veuve sur sa tombe au cimetière de Lorient. Un geste fort quand on sait combien le chanteur est toujours dans les pensées de Laetitia Hallyday qui lui a rendu un vibrant hommage, elle qui admet toutefois avoir appris à aimer différemment. Mais Johnny est toujours là. La place de Johnny est encore bien présente. Si est-il pas facile. On est souvent un couple à trois, avait-elle précisé.